Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation et un déballage de la nouvelle cover pour le Galaxy S4. Donc cette cover a une nouveauté par rapport au S3 en fait, c'est qu'elle dispose d'un transparent pour voir l'écran du S4 en cas de notification, en cas de prise d'appel. Donc on va regarder ça ensemble. Donc cette cover coûte 35 euros sur Amazon, mais alors après vous avez 20 euros remboursés par Samsung. Avec un délai bien sûr assez conséquent, mais au moins vous pouvez vous faire rembourser 20 euros sur cette cover. Donc si vous prenez une cover sans l'écran, elle coûte à peu près 20 euros, donc elle sera pas gratuite, tandis que celle-là va quand même vous coûter une quinzaine d'euros. Donc on va regarder de plus près cette cover, l'inscription Galaxy S4, le transparent, et là donc c'est le dos du mobile, parfaitement exact au dos du S4 d'origine. Donc on va clipser cette cover. Donc toujours le même principe qu'avant. C'est le cache de la batterie qui s'enlève. Et on y clipse bah, la cover. Comme ceci. Donc on vérifie bien qu'elle est clipsée. Donc l'avantage c'est que ça n'épaissit pas le dos du mobile. Il y a juste sur la face avant, bah, on a l'épaisseur de la petite fenêtre. Donc... Comme vous pouvez le voir, là je viens de fermer l'écran, donc on en voit l'heure d'afficher. En cas de notification, bah, l'écran s'allume et vous allez pouvoir apercevoir la notification avec le message ou l'email ou l'appel. On peut décrocher un appel. Si vous avez un appel, vous allez pouvoir décrocher depuis bah, cette fenêtre-là en fait et donc prendre votre appel. Donc il doit y avoir un petit système d'aimant qui fait que quand vous ouvrez la cover, l'écran s'allume et il s'éteint. Donc là, hop. Et ça s'éteint. Donc bah ça reste quand même pratique. Le défaut c'est que c'est pas vraiment aimanté. Donc si votre mobile vous appuyez deux fois après, elle tient en place. Mais sinon, bah, là elle tient. Mais alors après, bah, dès que vous. Si vous faites tomber votre mobile, bah elle s'ouvrira en fait. Donc vous pouvez la fermer au dos du smartphone. La prise de photo est possible. Comme vous pouvez le voir, puisque la vitre laisse passer le capteur, on dirait que non, mais en fait, à l'usage, on voit que oui. Donc vous allez pouvoir prendre vos photos quand même. Et lors de la saisie de message, bah, vous pouvez la replier derrière et ne pas avoir de problème pour la frappe. Donc c'est plutôt une bonne cover. Avec le remboursement, elle vaut le coup. Sans le remboursement, elle est excessivement chère. À 35 euros la cover, c'est vraiment très cher. Donc à voir si vous en avez réellement l'utilité. Je vous remercie de m'avoir regardé.